Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 130e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la frontière libano-israélienne. Les affrontements se sont poursuivis tout au long de la journée à la frontière sud et l'aviation israélienne a effectué des vols de reconnaissance au-dessus du littoral. Au cours de l'après-midi de mardi, l'aviation israélienne a mené deux raids sur la région située entre Bint Jebel et Yaroun, suivie d'une attaque similaire avec deux missiles sur les environs de Shehin, visant une maison près de la Husseiniya de la ville. Les environs de la ville d'Aït Alun ont été soumis à un bombardement d'artillerie ainsi que Markaba dans le Kaza de Marjayoun. De même, un bombardement a touché une maison à Yarin et les ambulances se sont dépêchées sur les lieux. Un bâtiment voisin au complexe de l'imam Reda à Meis el-Jabal a été visé par deux missiles. Un seul a explosé, provoquant la destruction du bâtiment sans faire de blessés. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir atteint un poste de l'armée israélienne à Mitat et y avoir causé des victimes entre tués et blessés, ainsi qu'un poste de l'armée près de Merj. Il a aussi confirmé avoir pris le contrôle à 14h d'un drone du type Skylark en bon état technique. De plus, deux personnes ont été blessées dans le nord d'Israël par un missile anti-char tiré à partir du Liban. Le Hezbollah n'arrêtera ses attaques contre Israël qu'avec un cessez-le-feu à Gaza, affirmé mardi son chef, accusant les médiateurs étrangers cherchant à apaiser les tensions dans le sud du Liban de servir les intérêts d'Israël. Je cite, « Lorsque l'agression à Gaza s'arrêtera et qu'il y aura un cessez-le-feu, les tirs s'arrêteront également dans le sud du Liban », a déclaré Hassan Nasrallah dans un discours télévisé. « S'ils élargissent la confrontation, nous le ferons aussi », a-t-il affirmé. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 28 470 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Des images du 5 février diffusées par l'armée jordanienne montrent le roi Abdallah II de Jordanie participant à un largage d'aide humanitaire et médicale au-dessus du nord de la bande de Gaza, près de l'hôpital de campagne jordanien. L'aide équipée de dispositifs GPS a été larguée à l'aide d'avions C-13 lors d'une opération conjointe jordano-néerlandaise. En déplacement à Dubaï, le président turc Recep Tayyip Erdogan salue les efforts déployés dans le cadre des procédures judiciaires internationales contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis contre nos frères et sœurs à Gaza. Il exprime également sa gratitude aux pays concernés dans le processus judiciaire, notamment l'Afrique du Sud, avant de se dire préoccupé par les politiques imprudentes du gouvernement israélien qui, selon lui, alimentent l'antisémitisme. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, rencontre le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, dans son bureau à Doha, la capitale du Qatar. Nous verrons des milliers de personnes perdre la vie à Gaza. Maintenant, les gens parlent de la menace des épidémies, de la menace de la famine et ainsi de suite, prévient le docteur Abdallah El-Rabia, directeur du King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, lors d'un entretien avec l'AFP. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.